Bonsoir et bienvenue à mes supporters de l'Olympique Lyonnais. Bienvenue où ça où ? Sur le plateau d'Orindex System. Oui ! J'avais été aussi content de le dire, ça tient. Eh bien oui, on est de retour dans les studios d'OLTV au Groupama Stadium. Soyez les bienvenus, le concept ne change pas. Le lien entre les supporters de l'Olympique Lyonnais et le club et la chaîne continue au 04. 84 80 69 deux fois, 04 84 80 69 deux fois. Vous composez ce numéro de téléphone là maintenant, hein, tout de suite, et vous avez toutes les chances de pouvoir poser une question à Estelle Denis, puisqu'elle est notre invitée. Estelle Denis, elle est notre invitée, c'est bien, ça c'est bien, c'est bien. OLN System, être supporter ne s'explique pas. 04 84 80 69 deux fois, merci infiniment d'avoir choisi OLTV pour passer votre soirée. On accueille ce soir dans OLN System spécial Mademoiselle, plutôt Madame, Estelle Denis. Bonsoir Estelle et bienvenue à toi. Bonsoir Estelle et bienvenue à toi. Ah, alors je t'entends très très mal pour l'instant, mais on va régler ça dans une poignée de secondes. En attendant, je vous propose de composer le numéro de téléphone que vous connaissez par cœur, le 04 84 80 69 deux fois. Est-ce que Estelle, tu m'entends mieux ? Écoute, moi, je t'entends super bien, donc il n'y a aucun souci. Eh bien, c'est parfait. Moi aussi, ça y est, la connexion est revenue. Merci, Estelle, d'avoir accepté l'invitation. Tu devrais aussi nous remercier, Estelle, finalement, parce que je me dis que sans le président Aulas, sur la chaîne L'Équipe, il y aurait peut-être moins de grains à moudre en ce moment, quand même, non ? Bah, disons que ce n'est pas que chez nous, mais Jean-Michel Aulas fait toujours l'actualité. Et alors, en ce moment, c'est vrai que non, mais il nous sert énormément, quoi. C'est vrai qu'il est... On ne parle que de Lyon en ce moment. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt le PSG. Ouais. Et là, c'est Lyon a repris la main, en tout cas sur le terrain médiatique. Quoi. Estelle, est-ce que tu trouves que son compas est légitime, loyal, honnête? Ou est-ce que tu trouves au contraire, comme certains, qu'il prêche trop pour sa paroisse et que ça devient, pour certains, encore une fois, un petit peu embêtant? Moi, en fait, je comprends son combat. Je comprends le combat de d'Amiens ou de Toulouse parce que, encore une fois, on ne change pas les règles d'un match alors que le match a déjà commencé. Et mathématiquement, par exemple, Toulouse, même si leur début de saison, leur saison est totalement pourrie, mais mathématiquement, ils peuvent encore se maintenir. Donc, je peux comprendre, je veux dire, que ces clubs se battent parce que mathématiquement, Lyon pouvait encore se qualifier pour la Ligue des Champions, Amiens et Toulouse pouvaient encore se maintenir. Après, c'est vrai que ça me paraît compliqué de revenir en arrière. C'est-à-dire que comment on fait aujourd'hui pour dire à Lens, ah ben finalement, alors attendez, le virus, il n'est plus là, on va pouvoir jouer. Alors, en fait, vous ne montez pas en Ligue 1. Ça paraît compliqué. Sauf si on prend la proposition d'Amiens, et on a entendu aussi Antoine Comboiré et Laurent Blanc être d'accord avec ça, une Ligue 1 à 22. Auquel cas, vous ne finalisez pas les clubs de Ligue 2 qui montent et vous terminez la Ligue 1. Mais le problème, c'est de pouvoir terminer. Dès lors qu'on a dit, et qu'on est le seul pays européen avec les Pays-Bas et la Belgique, dès lors qu'on a dit on arrête, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors que les autres pays m'ont repris. Un rétro-pédalage te paraît complètement fou ? Je ne vois pas comment on peut faire. Alors, à titre personnel, j'adorerais un rétro-pédalage. Moi, ça me permettrait de venir bosser tous les jours, d'avoir de la vie, de reprendre l'équipe d'Estelle. Égoïstement, oui, j'adorerais. Maintenant, c'est la santé qui prime, et ça, je le comprends parfaitement. Donc, dès lors que, si on pense que c'est dangereux, il ne faut pas le faire. Mais pourquoi est-ce que ce serait plus dangereux en France qu'en Allemagne ou en Espagne, où a priori il devrait reprendre en juin, en Italie aussi il souhaite reprendre? C'est quoi la différence avec la France? Donc le rétro-pédalage ne serait pas complètement, disproportionné? Ça pourrait être une suite logique des choses via les décisions qui ont été prises dans différents pays européens? Oui, mais comment tu fais? C'est-à-dire que les autres pays européens, ils ont recommencé à s'entraîner. Oui, nous, mais on ne s'entraîne pas. Ben, si un club comme Lyon. Mettons la Ligue des Champions reprend. Lyon joue début août. Donc, ils vont reprendre, à mon avis, début juin. Ouais. Encore faudrait-il qu'on ait le droit en France de pouvoir faire des sports collectifs à plus de 10. Mm-hmm. Si tu ne peux pas faire un sport collectif à plus de 10, ça me paraît compliqué de jouer un match amical, par exemple. Et Lyon, s'il joue la Ligue des Champions, il va bien falloir qu'il joue des matchs amicaux. Donc, comment ils vont faire? Ils vont jouer en France, ils vont se décentraliser, aller jouer dans un pays comme la Biélorussie, par exemple, où ça joue encore en championnat. Là, la situation, elle est compliquée. Mais de toute façon... Mais t'as pas l'impression qu'on est les dindons de la farce, quand même? Hein? Tu n'as pas l'impression qu'on est les dindons de la farce si, effectivement, et c'est à prendre au conditionnel, hein, si ça reprend en Italie, si ça reprend en Allemagne, si ça reprend en Espagne, etc. On va passer pour des blaireaux, quoi. Après, nous, on part du principe que la santé prime. Et c'est évidemment parfaitement compréhensible. Mais je suis d'accord avec ça.
d'autres tribus. L'épidémie, elle n'est pas encore terminée. On dit, ah, chouette, il y a seulement 80 morts. Mais là, c'est 80 morts, quoi. Donc, voilà, ce n'est pas juste un chiffre. Il y a 80 familles qui, hier, ont pleuré leurs défunts, quoi. Donc, ça, ce n'est pas anodin. On voit qu'en Allemagne, il y a encore plein de cas. Il y a des cas en Espagne, chez les footballeurs, hein, je parle. En Allemagne, en Espagne, en Italie. Nous, pour l'instant, il y a eu Junior Sambia, le jeune joueur de Montpellier, mais là, il n'y en a pas. Si on commence à jouer au foot et qu'on commence à avoir plein de cas, eh bien, on se dira, finalement, on a eu raison. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si on a raison avant tout le monde ou si, en fait, on a tort. Et c'est un peu compliqué. Je pense qu'on aurait dû attendre, en fait, tout simplement. Pas dire la saison est terminée. On pouvait attendre. Bien sûr qu'on pouvait attendre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si ça reprend, comme c'est annoncé ici et là, et qu'il n'y a pas véritablement de raison de s'inquiéter, donc pas de nouveaux cas, on va vraiment passer pour des pompes à vélo, quand même. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, quand même, non ? Bah, c'est surtout que ça va pénaliser Lyon et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, quand même. Parce que là, l'adversaire de Lyon, c'est la Juve. Mm-hmm. La Juve a repris. Ronaldo, il est rentré de Madère. Hein, voilà. Après, je sais pas si tous les internationaux de Lyon sont rentrés. En tout cas, on note qu'effectivement, pour le Paris Saint-Germain, pour Lyon notamment, ça va être un petit peu ennuyeux. Mais on peut parler également du football français en règle générale, parce que économiquement, c'est gravissime pour un grand nombre de clubs qui n'ont pas les reins solides. Et on ne se rend pas compte, là, aujourd'hui, 11 mai encore, mais ça va laisser des traces et des drôles de traces. Hein. Oui, mais après, moi, j'y vois quand même un avantage. Ouais. C'est que les clubs, ils vont devoir... C'est-à-dire, là, c'est fini d'aller recruter un joueur moyen pour 20 millions et dire, on va voir si ça passe. Les clubs ne vont plus faire ça. Donc, ils vont devoir s'appuyer sur leur centre de formation. Donc, tant mieux pour les jeunes joueurs prometteurs qui, à mon avis, vont avoir beaucoup plus de temps de jeu la saison prochaine parce qu'il y aura moins de recrues. Et puis après, il va falloir recruter malin, aller peut-être dans des pays, aller recruter dans des pays où on va moins d'habitude, tenter des coups, en fait, qu'on n'a pas l'habitude de tenter. D'habitude, on fait au plus simple. On prend un joueur qui flambe sur un match de Ligue des Champions, on va lâcher 25 millions. Voilà, on tente plus des choses, on tente plus de coups, sauf effectivement. Lyon est plutôt bien en son recrutement ces derniers temps. On l'a vu avec Fernand Mendy, Dombélé. Bon, ben voilà, c'est des joueurs en plus après qui ont été revendus à prix d'or. Donc, mais il faudrait que tous les clubs français soient un peu malins et dans leur recrutement. Et je pense que le coronavirus va pousser à ça parce que les finances vont être impactées. Donc, moins d'argent, ça veut dire devoir être un petit peu plus malin. Quoi. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un mercato au rabais ou est-ce que c'est du pipeau tout ça pour toi ? Je sais pas, on a vu une étude là, il y a pas longtemps qui disait que le prix des joueurs allait baisser de 20%. Le problème, c'est que de toute façon, je suis pas sûre qu'on ait un énorme mercato. Déjà, sur les grandes stars, ça me paraît difficile. Sur les joueurs à plus de 100 millions d'euros, ça me paraît très compliqué. Et puis après, le problème, tu le connais aussi bien que moi, c'est que quand tu vends, tu dois acheter. Donc, est-ce que tu prends un risque? Le joueur que tu as dans ton effectif, tu le connais, tu sais ce qu'il vaut, etc. Si c'est plutôt un bon joueur, quel est l'intérêt de t'en séparer pour aller tenter un pari? Donc, tu ne sais pas, évidemment, s'il va marcher ou pas. 04 84 80 69 deux fois. Estelle Denis est l'invité de Oil Night System spécial confinement, même si on s'est déconfiné. Mais on est là, toujours près de vous, amis supporters. Et vous avez la possibilité d'intervenir, et on le prouve, puisque c'est Julien qui a composé le numéro de téléphone. Bonsoir, Julien. Salut, Bart. Salut, Julien. Tu peux saluer Estelle quand même aussi, elle est là. Hein. Bonsoir, Estelle. On t'écoute, Julien. Alors voilà, Estelle, bonjour, j'avais une question pour vous. Voilà, tous les jours, donc, vous animez donc, une émission avec différents débats sur l'actualité sportive. Voilà, alors j'aurais aimé que vous réagissiez notamment sur le fait que, enfin, moi personnellement, je trouve que, pas forcément sur l'équipe, mais je regarde souvent votre émission, et je trouve que certains de vos journalistes manquent d'objectivité, et notamment, enfin, entre guillemets, les anciens journalistes. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai différents exemples. Bon, là, je vais parler de Lyon, mais notamment avant le match Lyon-Juventus, tout le monde disait sur votre émission, oh là là, ça va être catastrophique, Lyon, ils vont prendre une fessée. Le match se passe, bon, Lyon gagne 1-0. Et là, tout de suite, les journalistes, oh là là, c'est super bien et tout. J'ai eu l'impression que les journalistes, en fait, ils vont où le vent les mène, en fait. Et je trouve que c'est notamment dommage parce que, pour en revenir en ce moment à l'actualité, je crois que vous aviez reçu Jean-Michel Aulas il n'y a pas très longtemps, je crois. Quelques jours. Voilà, et je trouve que dès que, par exemple, M. Aulas parle, j'ai l'impression que vos journalistes, ça y est, il a dit un truc, ça y est, c'est n'importe quoi. Alors que moi, j'aimerais plus qu'aujourd'hui, les journalistes arrêtent juste de lire le titre de l'article et lisent plutôt ce que la personne dit sur les 14 voire 15 lignes qui suivent.
Parce que on peut reprocher certaines choses à M. Aulas, mais on peut pas non plus. On peut surtout reconnaître qu'aussi il fait énormément pour le football actuellement. Alors voilà, donc ça serait ma question. Est-ce que vous trouvez qu'au sein de votre équipe et au sein de notamment de l'équipe, est-ce que vous trouvez que les journalistes manquent d'objectivité? Et ma deuxième question, ça serait pourquoi je trouve qu'on fait un bashing au niveau des jeunes journalistes. C'est-à-dire, je trouve que les anciens journalistes restent toujours dans leurs idées. Et dès qu'un jeune parle en essayant d'apporter des nouvelles choses... Eh bien, elle est longue, ta question. Bon, on va essayer de résumer un petit peu tout ça, Julien. On a compris que tu trouves qu'on fait du bashing autour de l'Olympique Lyonnais et que tu trouves également que les journalistes manquent finalement d'objectivité, de personnalité par moment, puisque tu dis qu'ils changent d'avis, alors que ce qui fait la force de ton émission, Estelle, c'est justement de fortes personnalités autour de la table. Hein. On ne va pas expliquer comment on fabrique un talk show, mais c'est juste les ingrédients de base. Oui, alors moi, je suis très contente qu'on nous accuse de faire de l'OL bashing, alors que là, ça fait 3 jours sur les réseaux sociaux, on nous accuse de pour Aulas, comme quoi, hein, voilà, bien pour tous les goûts. Jean-Michel Aulas, on l'a reçu, on l'a interviewé durant 37 minutes, exactement, parce qu'on a un petit décompte dans l'équipe du soir, jeudi dernier, donc oui, c'est chez nous qu'il a dit, effectivement, qu'il a déposé un recours, etc. Donc, il n'y a pas du tout d'OL bashing. Après, si vous trouvez que depuis le début de la saison, Lyon joue excellemment bien et réalise une saison absolument fantastique, malheureusement, je ne peux pas être d'accord avec vous. Que cette année, on émette des réserves sur le jeu de Lyon, ça me paraît logique. Qu'on émette des réserves sur Lyon avant le match face à la Juventus, ça me paraît aussi logique. Après, on était tous heureux du résultat de Lyon, ça c'est logique. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas nous taxer d'anti-lyonnais parce que on dit que Lyon va avoir des difficultés face à la Juve compte tenu de ce que Lyon a produit, ces derniers mois. J'étais la première ravie du résultat de Lyon, du résultat du Paris Saint-Germain. Quand un club français s'en sort en Coupe d'Europe, je suis ravie. Maintenant, Dieu sait que je trouve que le travail de Jean-Michel Aulas autour de ce club est absolument fantastique. Maintenant, cette saison, elle est compliquée. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je n'ai pas grand-chose pour vous, là. Voilà, camarade Julien, on va te souhaiter une belle soirée. Parce que si je te demande de rebondir, on peut terminer mardi, mais la semaine prochaine. Voyez-vous, donc on va attendre un peu. Julien, merci infiniment d'avoir composé le 04 84 80 69 deux fois. Je ne voudrais pas te défendre, Estelle, parce que ce n'est pas l'idée. Mais je me rends bien compte que tu as les mêmes réflexions avec les supporters de Marseille, avec les supporters du PSG. Je pense que chaque supporter qui a le maillot d'une équipe reproche à tel ou tel journaliste ou telle émission de faire du bashing vis-à-vis de son club. Parce que le passionné, le supporter manque par définition de recul. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on va avoir les supporters du PSG qui vont dire qu'on est anti-PSG. Et de l'autre côté, et qu'on est, mettons, pro-Marseille. Mais on a les Marseillais qui disent « Ouais, vous critiquez notre club, vous êtes pro-parisien. » En fait, chaque club pense qu'on est pro le club d'en face. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on est pro-personne. Donc, ça s'est réglé. Donc, en Europe, évidemment, on est tous un peu chauvins. On est tous contents quand c'est un club français qui gagne. Mais ça, c'est un peu normal. Je veux dire, comme la Coupe du Monde. Enfin, heureusement qu'on est contents quand la France gagne. Enfin, voilà. Mais ça n'empêche pas d'émettre des réserves ou des critiques sur le jeu d'une équipe, même quand elle gagne. Bah, sinon, il suffit de lire le journal le matin, de voir qui a gagné, et puis de dire bah, ils ont gagné, c'est qu'ils sont meilleurs. C'est pas possible, il n'y a plus d'émission dans ces cas-là. Estelle, on va revenir justement sur l'équipe d'Estelle, qui a un vrai succès. C'était un vrai pari, difficile à relever, 17h30. Enfin voilà, une case qui est un petit peu merdique, hein, quand même. Et puis finalement, c'est plusieurs centaines... Pardon ? La case, elle n'est pas merdique. Non. À 17h30, pour faire un talk show sur le sport en général et en particulier sur le foot, et quotidiennement, je te félicite. Estelle, pour moi, quand j'ai vu quand l'émission s'est pendue, j'ai dit ça ne marchera pas. Je le dis. Oui, mais parce qu'au début, en fait, le truc, c'est qu'au départ, elle ne démarrait pas à 17h30, l'émission. Elle démarrait à 17h45. Bon. Et en fait, on a rallongé. À un moment, je vais commencer à 15h. C'est bon signe si on rallonge. Depuis 2h15 maintenant, tous les jours. Mais en fait, tu as l'équipe du soir, première partie, qui est entre 19h45 et 20h45, et Colo Prime. Donc nous, après, on était avant. Et c'est vrai qu'on a rallongé parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on a encore des trucs à dire. Donc, en fait, si tu veux, 17h30, les gens... c'est pas le moment où on fait le plus d'audience, mais on laisse les gens arriver jusqu'à 17h45. Et puis à 17h45, effectivement, là, il y a énormément de gens qui arrivent, quoi. C'est-à-dire que 17h30, 17h45, c'est un peu le tour de chauffe. Tu es au cinéma et tu manges tes bonbons en regardant la pub. Tu te chauffes un peu avant le film. C'est le warm-up. Chez nous, c'est un peu...
C'est le warm-up. 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone. On va accueillir, si tu le veux bien, David qui a des choses à nous dire aussi. Bonsoir David et bienvenue à toi. Bonsoir Bart, bonsoir Estelle. Bonsoir David, on t'écoute David, bienvenue. Eh bien écoute, j'appelais parce que malheureusement, ce qui est passé avant a dit beaucoup de choses et que je partageais et qui était un petit peu ma question. C'est-à-dire qu'on a la sensation, nous supporters lyonnais, d'être un petit peu victime d'un bashing parce qu'on considère que les commentaires qui sont portés par des journalistes ne sont pas toujours objectifs et qu'il y a une sensibilité qui n'est pas la nôtre. Mais où je voulais rebondir, c'était surtout sur Jean-Michel Aulas, qui n'a pas besoin de nous, supporters, pour le défendre. Mais quand on voit le bashing qui est fait sur sa personne en ce moment, alors que c'est l'un des rares qui a une vision européenne des compétitions et de la politique qu'il faut mener dans un club, ça me paraît totalement décalé. Alors, comment faire ? J'ai vu l'émission d'Estelle l'autre jour, qui était très bien, puisqu'elle a laissé la parole à Jean-Michel Aulas. Ce qui a été dit derrière, d'ailleurs, correspondait, parce qu'on n'est pas obligé de partager tout ce qu'il dit. Mais sincèrement, c'est un homme qui a une telle intelligence et une telle vision et qui l'a prouvé sur 30 ans. Je ne veux pas faire d'amalgame simple. Mais quand on voit ce qui a été dit sur le professeur Raoult pendant la crise sanitaire qu'on a vécue et par des gens qui sont des chefs de service et qui s'en prenaient à un homme qui a 35 ans d'expérience derrière lui, eh bien, ça me fait penser à la même chose avec Aulas. C'est-à-dire que c'est un homme qui a 35 ans de métier derrière lui, qui est reconnu de tous dans l'Europe entière. Quand on entend ce qu'on entend sur ce qu'il annonce, on peut ne pas partager ses idées. Mais le traiter, parce que la personne a 70 ans, de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ce qui est dit par certains journalistes, il a perdu la voix, etc. Mais qu'est-ce qu'il peut se permettre de dire des choses comme ça ? Alors David, on va laisser Estelle répondre. Non, mais là, il y a un amalgame entre les réseaux sociaux et l'émission. Ça n'a rien à voir. Déjà, enfin, excusez-moi, mais c'est totalement différent. Maintenant, est-ce que vous pensez un instant, Jean-Michel Aulas, et c'est ce que j'ai dit à Bart au début de l'émission, moi, j'ai toujours été extrêmement admiratif de son parcours en tant que président de club. Ce qu'il a bâti avec Lyon, c'est absolument formidable. On en parlait encore. Les coups qu'il a réussi aux différents mercatos, c'est extraordinaire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, il n'y a pas de bashing Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il est extrêmement intelligent. C'est le premier à aller titiller justement sur les réseaux sociaux, etc. Il adore ça. Maintenant, est-ce que vous pensez un instant que s'il y avait un bashing Jean-Michel Aulas et s'il se sentait, par exemple, diffamé par notre émission, est-ce que vous pensez qu'il aurait accepté deux fois cette année de venir nous voir ? Une première fois en plateau, une deuxième fois là pendant 40 minutes, donc il y a quelques jours, et pour la centième de l'équipe d'Estelle, c'était notre invité vedette. Est-ce que vous pensez un instant qu'il serait venu dans l'émission si il y avait un quelconque bashing ? Non, il n'y a pas de bashing chez nous. En revanche, la parole, elle est libre. Les gens, ils disent ce qu'ils pensent en étant toujours courtois. Voilà, il n'y a jamais de diffamation, rien. On reste toujours courtois et bienveillant. Maintenant, il y a des gens qui trouvent que sa position actuelle, elle est fantastique et qui comprennent qu'effectivement, pour l'économie du foot français, ce serait bien qu'on reprenne. Mais il y a des gens qui trouvent qu'effectivement, s'il avait été deuxième du championnat, il n'aurait peut-être pas eu ce discours. Maintenant, voilà, notre émission, c'est une émission de débat. Si on est tous à dire oh, « c'est formidable bah, », franchement, déjà, ne faisons pas l'émission. Quoi. Maintenant, moi, je ne dis jamais à un chroniqueur ce qu'il doit dire. Le chroniqueur, il est là avec son point de vue, son avis, tranché ou pas. Et après, moi, je les laisse dire ce qu'ils veulent, dans la limite, évidemment, du raisonnable. Mais il n'y a pas de bashing, pas du tout. Enfin, il n'y a qu'à voir en termes de comment ça s'appelle ? En consultant, on a Raymond Domenech. S'il y a quelqu'un qui aime bien Lyon, quand même, on peut dire que c'est lui. Hein. Il a été entraîneur de Lyon, il a été joueur de Lyon. Il est quand même très proche de Jean-Michel Aulas. Donc, je pense que voilà, là-dessus, il n'y a quand même pas de souci. Vincent Duluc, il parle de Lyon depuis des années. Évidemment, quand Lyon joue mal, il le dit. Mais enfin, c'est quand même c'est son boulot. Il est journaliste. Il n'est pas. Ce que fait Bart à OLTV, nous, on n'est pas à OLTV, en fait. On est à l'équipe. Donc, on fait notre boulot. Enfin, je ne dis pas que Bart ne fera son boulot, c'est ce que je dis. Mais je veux dire, c'est plus compliqué pour lui quand il y a un match qui se passe mal pour Lyon. Tu ne regardes pas assez souvent l'émission, Estelle. Si tu la regarderais plus souvent, tu ne tiendrais pas ses propos. Mais ce n'est pas grave. Les journalistes que vous venez de me citer, ils sont justes. Voilà. Ils sont justes. Vous venez de me citer deux personnes qui sont justes dans leurs commentaires.
qui ont une sensibilité et qui sont juste dans leurs commentaires. Je pourrais vous en citer d'autres dont on sent pertinemment qu'ils n'ont pas Jean-Michel Aulas dans leur cœur et qu'ils en profitent chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour le flinguer. Donc ça, c'est une réalité. Peut-être... Bon, on a compris, hein. On a bien noté que, voilà, on n'était pas toujours en accord avec les propos que tu entends sur le plateau. Malheureusement, là, on est en train de tourner un petit peu en rond. Je voudrais laisser la place un peu à tout le monde. Merci infiniment, David, d'avoir téléphoné. Je te coupe un peu la parole volontairement parce que je dois faire passer d'autres personnes. Il est maintenant temps de composer pour vous, très vite, là, maintenant, tout de suite, le 04 84 80 69, deux fois Estelle Denis est notre invitée, encore pendant 10 petites minutes, ça passe très vite, c'est plutôt bon signe. Estelle, je voudrais juste revenir un petit peu, sortir un peu du contexte football en revenant sur ton passé de journaliste, parce que moi je t'ai rencontré, t'étais un bébé, mais vraiment, hein, je dis ça avec beaucoup d'affection, à TPS Foot, si je dis pas de bêtises, et je me souviens très bien d'une fille, mais hyper timide et hyper angoissée du direct, du plateau, etc. T'étais tendue à l'époque quand même, et quand je te vois maintenant, tu me bluffes, Estelle, bravo. Mais c'est gentil. Non, j'étais pas timide. Non, j'ai jamais été timide. Ça, non. Stressée, mais angoissée alors, de l'antenne. Mais... Oui, angoissée, alors oui. Ça me stressait, mais j'étais très mauvaise surtout. Donc, ça me stressait. Et moi, je ne voulais pas faire d'antenne au départ. On m'a mis là, mais moi, j'avais envie d'être journaliste et pas forcément de passer à la télé. C'est un hasard, en fait. Et puis finalement, ouais, ça s'est bien passé. Et voilà. Et maintenant, j'adore ça. Et c'est mieux. Mais en fait. Le jour où je me suis dit qu'il fallait être à l'antenne comme on était dans la vie, en fait, et pas trop se poser de questions, ça a déclenché un petit truc en moi, en fait. Et ça a fait que j'ai tout de suite été moins stressée et que je me sentais plus à l'aise, que je me suis dit, c'est comme dans la vie, on peut bafouiller, c'est pas très grave, on peut se tromper, c'est pas très grave. Après, je bosse beaucoup pour éviter justement de me tromper, quoi. Mais voilà, et en fait, le fait de bosser fait que je me sens très à l'aise et en sécurité finalement. Et puis, la grande aventure démarre avec 100% foot en 2006, où là, vraiment, Pierre Ménez, Thierry Roland, paix à son âme, Monsieur Grimaud, enfin voilà, il se passe un truc, quoi. Ça devient le talk du dimanche soir. Et je pense que c'est ce qui te permet aussi que ta carrière décolle un petit peu grâce à ça. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, parce que juste avant, j'étais sur TPS Star et je faisais une émission en direct. Sur tous les matchs, on allait en fait dans les stades et on faisait une heure avant, une heure après. Mmh. Donc ça, c'était hyper formateur parce que sur la deuxième émission qui s'appelait Prolongation, je savais jamais qui j'allais avoir comme invité. Donc en fait, les mecs arrivaient, je savais jamais qui le mec qui débarquait en plateau. Je disais, c'est ça, rien. Donc voilà, fallait vraiment bosser pour pas se bourrer, quoi, parce que cher, quand t'as le défenseur remplaçant de Sedan, c'est plus compliqué que quand t'as le milieu de terrain du PSG. Enfin, tu vois, c'est voilà. Donc fallait vraiment connaître les. Je veux dire, être sûr de soi. Mais, et puis après, M6, on s'est dit qu'on allait faire un talk show de copains, en fait. Et ça a marché parce qu'on avait un ton très libre et parce qu'on rigolait. Parce qu'on avait l'impression d'être seul au monde le dimanche à minuit, alors qu'on ne l'était pas tout à fait. Mmh. Et c'est vrai que ça a été une période absolument incroyable, quoi. 2005, moi, je me suis arrêtée en 2008, mais 2005-2008, c'était incroyable, avec en point d'orgue la Coupe du Monde 2006. Magnifique. Et voilà, c'est des. C'est absolument fantastique. On est, aujourd'hui, Dominique, il est toujours avec moi. Et Pierre aussi, c'est mon pote. Enfin, voilà, on est vraiment, les trois, on est hyper soudés, quoi. 04 84 80 69 deux fois, ça sera le petit dernier. On va prendre Michel. Bonsoir Michel et bienvenue à toi. Salut Bart, salut la fucking team. Et je précise, je ne suis pas une victime lyonnaise, tout va bien. Alors ça va, on t'écoute Michel. Bonsoir Estelle. En préambule, je vous félicite pour le travail dans un milieu d'hommes extrêmement macho et misogyne un petit peu des fois. Et justement, c'est là-dessus que je vais venir. Moi, je vais parler de parité. On voit de plus en plus de femmes prendre des rôles dans les émissions de football avec des prises d'interviews au bord du terrain, des chroniqueuses un peu plus, et surtout au sein de votre journal. Par contre, on n'a pas de post-com, on n'a pas de commentatrice sur les matchs importants. Quand est-ce que ça va venir? Est-ce que pour vous, ça serait un objectif? Et est-ce qu'il ne serait pas bon, justement, d'apporter un petit peu de douceur dans cette masculinité? Je ne crois pas qu'Estelle soit particulièrement douce. Non, c'est pas ça. Il y a une commentatrice, c'est Candice Roland, qui est sur la chaîne L'Équipe et qui commande des matchs, notamment. Elle fait la grande soirée, que ce soit avec Johan Rioux
et Raphaël Sebaoun, et Candice elle commente aussi des matchs sur site, par exemple sur la Ligue des Nations, qui est une compétition qu'on retransmet sur la chaîne L'Équipe. Donc, Candice, on en a beaucoup parlé, notamment l'année dernière. Je pense que c'est la seule femme qui aujourd'hui commande du foot. Elle adore ça, Candice. Elle est excellente. Et en fait, moi, j'ai pas trop envie de répondre à votre question parce que je vais vous dire, en fait, je m'en fous. C'est-à-dire que qu'il y ait plus ou moins de femmes, j'en ai rien à carrer. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un petit peu qui je vais avoir comme chroniqueur pendant la semaine, je me dis pas, tiens, oh, bah, ça manque de filles, je vais mettre une telle ou une telle. Je me pose pas cette question, en fait. Je fais en fonction de leur caractère et je me dis, tiens, je veux dire, elle est lui ou lui est lui ou elle est elle, ça va matcher, etc. Mais je me pose pas cette question et je pense qu'il faut pas raisonner comme ça parce que c'est embêtant, en fait. Parce que déjà, c'est dévalorisant. Parce que ça voudrait dire, en fait, que les filles qu'il y a là, elles sont là parce qu'elles sont des filles. Bah non, en fait. Elles sont pas là parce qu'elles sont des filles. Elles sont là parce qu'elles sont bonnes et parce qu'elles sont légitimes. Et en fait, je déteste ce débat parce que je trouve que ça nous met dans un truc un peu petite chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je suis pas là parce que en tout cas, je ne crois pas. Et j'ai jamais ressenti ça. Oui, et pareil, j'ai pas l'impression. Est-ce que tu pourrais comprendre, Estelle, malgré tout, que pour plein de filles qui aimeraient faire ce métier, qui souhaitent faire ce métier, tes propos peuvent leur sembler curieux parce que tu représentes aujourd'hui. Je sais bien que tu n'es pas une fille simplement à l'antenne parce que tu es une fille. Tu es à l'antenne parce que tu es compétente et que tu es bonne dans ton boulot. Ça fait aucun doute, je ne discute pas là-dessus. Sauf qu'il faut bien une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, parce qu'autrement, la porte est fermée tout le temps. Et oui, mais enfin, moi, quand je suis arrivée, il y avait Nathalie Yanida sur le canal. Mm-hmm. Je suis arrivée, M6 m'a confié le premier talk show de foot sur une chaîne hertzienne. Je veux dire, voilà, ils m'ont confié, c'est comme ça. Et puis ensuite, je veux dire, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là. S'il y avait un quelconque frein à être une femme dans ce milieu, ben, je ne serais pas là. Nathalie Yanetta, aujourd'hui, elle est sur TF1. Céline Géraud, je veux dire, elle a fait plus de 20 ans de carrière. Donc, à un moment, je veux dire, il faut arrêter avec ce faux problème. Je veux dire, c'est un faux problème. Mais s'il y a une fille qui, aujourd'hui, se dit, oh, ben, je ne vais pas y arriver parce que je suis une femme, ben, effectivement, qu'elle fasse pas ce métier. Voilà, et à un moment, je veux dire, il n'y a pas de journaliste. Enfin, un mec qui veut être journaliste sportif, il ne se pose pas la question. Ben, une fille ne doit pas se poser la question non plus. Elle n'a pas moins de chances qu'un mec, ni plus de chances d'ailleurs, de réussir. Si elle est bonne, elle réussira. Si elle n'est pas bonne, elle ne réussira pas. Mais c'est pareil pour un mec. Enfin, moi, je voudrais qu'on soit dans ce truc-là, quoi. Parce que ce débat, il n'a pas lieu d'être. Mais chaque c'est un année, faux débat pour toi. C'est un faux débat. Mémoire sur la femme, je veux dire, la position, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes journalistes sportifs, mais ça me rend dingue, en fait, parce que je ne comprends pas ces questions. Et à chaque fois, ils me comparent à une telle ou une telle, et je leur dis, mais pourquoi vous ne me comparez pas à lui et lui, par exemple? Et là, souvent, le môme me répond, ah, bah, parce que vous êtes une femme. Ah bah super, mais dans ce cas, je dois être comparée qu'à une femme, alors. Mais non, mais enfin, c'est pas jouable. Et alors, mais dans ce cas-là, on peut y aller partout. Hein. Donc un noir, il doit être comparé à un noir. Et puis, mais c'est pas possible, en fait. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire des quotas. Moi, je ne veux pas être comparée aux femmes, je veux être comparée aux gens qui font le même métier que moi. Et c'est comme ça qu'on avancera. Ce n'est pas en faisant des cases en permanence, ce n'est pas possible. Mais là, je m'énerve parce que c'est un sujet qui me hérisse, en fait. Tu sais quoi, Estelle? Voilà. Tu sais quoi, Estelle? Tu m'as fait changer d'avis, tu as tellement raison. Voilà, je ne peux pas être plus sympa avec toi, tu as tout dit. C'est parfait. Estelle, on va te remercier d'avoir passé cette demi-heure avec nous, avec les supporters de l'Olympique Lyonnais. Et je t'invite à regarder plus souvent OLTV. Je te promets que sur cette chaîne, ce n'est pas la Pravda. Vraiment pas. Et crois-moi sur parole, s'il te plaît. Merci encore, Estelle, d'avoir été notre invitée. Ça me fait très, très plaisir. Et à très bientôt, j'espère. Merci, Bart. C'est sympa. Merci à toi. On se retrouve demain avec Florent Balmont. Florent Balmont, mais oui, il sera là. Il va avoir un truc à s'afficher normalement. Et si ça ne s'affiche pas, c'est pas très grave. Voilà, bah là, on a carrément toute la semaine. Comme ça, c'est réglé. Donc, bah, ce soir, c'était ce soir. Hein, bah, c'était maintenant. C'était Estelle Denis. Demain, Flo Balmont. Mercredi, Nabil. Jeudi, Kim Kjellström. Et vendredi, Gérard Rouillet. Voilà le programme, c'est tous les soirs à 17h30, puisque l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux et puisque l'Olympique Lyonnais reste en lien direct ou indirect avec vous tous les jours grâce à Well Night System spécial. On file en régie parce que j'ai envie de me faire un kiff. On va aller saluer la putain d'équipe. Est-ce que c'est possible? Hey, hey, hey.
Bon, c'est un peu réduit, les gars, hein. C'est pas non plus le truc surréaliste. Mais quand même, ils sont là, les gars. Merci, la putain d'équipe. En quart demain à 17h30 sur l'antenne d'OL TV avec Flo Balmont, l'invité. Si vous souhaitez poser des questions à Flo Balmont, dès maintenant, 04 84 80 69 deux fois, vous laissez un message sur le répondeur et Kylian se fera un plaisir de vous rappeler. Passez une excellente soirée ou une très belle nuit si vous regardez les rediffs. Et surtout, n'oubliez jamais. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gones. À demain! Ouais, oui, à demain!